Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, comme invité, Claude Lescher. Bonjour, Claude Lescher. Bonjour. Vous êtes président de MG France, un syndicat majoritaire chez les médecins généralistes. Alors, dans le cadre du think tank Économie Santé, l'idée, c'est pas de réfléchir sur l'instant, sur les dépassements d'horaires et les déserts médicaux, mais d'essayer de faire des propositions pour améliorer le système de soins en responsabilisant davantage les acteurs du système, améliorer la qualité, améliorer l'accès aux soins et puis aussi faire en sorte qu'il y ait peut-être davantage d'efficience. Alors, l'objectif pour un syndicat de médecins généralistes comme le vôtre, pour les médecins généralistes, pour les médecins libéraux, on doit aboutir à quel système? C'est quoi le système idéal? Et comment y arriver? Alors le système idéal c'est un grand mot hein, sur lequel on pourrait revenir, mais le système doit être organisé. Dans ce système, il doit y avoir des fonctions qui sont définies, où chaque acteur doit savoir ce qu'il a à faire, où les relations entre les acteurs sont établies de façon formelle, c'est-à-dire chacun doit dire à l'autre ce qu'il fait et comment il entre en relation. Et ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on a au moins 5, 6 ou 7 systèmes de santé différents. Ouais. Il y a le système de santé libéral, il y a le système hospitalier, il y a la PMI, il y a la santé scolaire, il y a la médecine du travail. Tout ça, ça travaille chacun dans son coin, chacun fait souvent à peu près la même chose, et donc on aboutit à une perte en ligne et une déperdition d'énergie qui fait que le système n'est pas du tout efficient. 230 milliards d'euros, dont 180 milliards consacrés à la consommation de soins et biens médicaux, on pourrait faire beaucoup mieux en termes de résultats et en termes de dépenses. Et pour cela, il faut... Alors, oui. Alors peut-être pas avec beaucoup moins d'argent, mais avec autant d'argent, on pourrait faire beaucoup mieux. D'accord. Et notamment, le système idéal, il est donc organisé, mais il est également mutualisé en termes de risque santé. C'est-à-dire qu'on a bien montré que la sélection du risque dans le champ de la santé est plus coûteux que la mutualisation du risque. Autrement dit, c'est un système mutualisé et tout système mutualisé doit être régulé. Le régulateur pourrait être l'assureur, c'est ce qu'on fait comme choix les Américains avec les HMO. Il peut être l'État, c'est ce qu'on fait les Anglais avec le NHS. Ou il peut être, comme on l'a fait en France, le médecin traitant que la population a choisi dans la spécialité médecine générale. Donc ce médecin généraliste traitant, il est à la fois le soignant, il est à la fois l'organisateur d'un parcours de soins et de santé, et il est également l'interface entre des recommandations scientifiques et qu'est-ce que je fais pour ce patient dans ce cas particulier. Oui, mais le médecin généraliste aujourd'hui est isolé, et c'est un des systèmes, vous disiez là, comment ça fait longtemps qu'on fait un peu ce constat de manque d'organisation, comment arriver à mieux, à plus d'organisation? Alors, précisément, autrefois, le médecin généraliste était isolé. Aujourd'hui, le système idéal pour nous, c'est un médecin généraliste qui est coordonnateur à la fois du parcours de santé, mais aussi d'une équipe autour du patient. Cette équipe, elle va travailler de façon structurée, organisée. C'est ce que nous appelons, nous, les équipes de santé de premier recours, qui peuvent être des pôles de santé, des maisons de santé, ou qui peuvent être des gens isolés dans leur cabinet, mais qui travaillent de façon structurée avec d'autres professionnels. Et ça, avec une notion de territorialité, et donc de responsabilité aussi de santé publique, c'est-à-dire de santé populationnelle. Alors ça paraît logique, je dirais, mais comment arriver à ça? Est-ce que les médecins sont assez formés? Est-ce qu'il y a assez de volonté politique? Est-ce que les incitations, les rémunérations, on a l'impression que rien ne favorise tout ça quand même. Alors justement, c'est que chacun fait son système de santé et il n'y a pas de règle générale. À partir du moment où il y a une règle générale, un médecin généraliste traitant, un parcours de santé, derrière, y compris l'hôpital, doit s'inscrire dans ce parcours de santé. Ça veut donc dire que les modes de rémunération doivent être adaptés à ces objectifs. Donc on a introduit des rémunérations sur objectifs qui ne sont pas que des objectifs de santé, mais qui sont aussi des objectifs d'organisation, donc notamment le travail en équipe. On a également, pour l'instant, un axe convention nationale. Je pense qu'il faut doubler cet axe convention nationale. Convention nationale avec l'assurance maladie. Avec l'assurance maladie, bien entendu. On doit doubler cette convention nationale d'une contractualisation au niveau de chaque territoire entre les équipes qui se forment, je dirais, sur la base du volontariat et qui donc, à ce moment-là, bénéficient de rémunérations et de moyens adaptés aux missions qu'elles ont par contractualisation avec, bien entendu, l'assurance maladie, mais également les ARS. Et ça veut dire que sur chaque territoire, chaque équipe va pouvoir orienter son action en fonction des besoins de santé de la population et des individus. Est-ce que vous pensez que les messageristes aujourd'hui, les messageristes qui font du soin surtout, est-ce qu'ils peuvent devenir chefs d'équipe quelque part? Gérer l'infirmière, gérer la science sociale. Il ne s'agit pas de gérer les autres professions. Non. Il s'agit d'assurer la coopération interprofessionnelle. Chacun restant responsable de l'organisation de son métier. Donc il s'agit de mettre du lien, de mettre de l'organisation, de mettre de la coordination, de créer véritablement, ce qui n'existe pas encore vraiment à mon sens, un vrai parcours de santé. Et il y a donc les modes de rémunération, il y a les modes d'organisation, et aujourd'hui les médecins généralistes, vous me disiez, est-ce qu'ils sont prêts? Mais les médecins généralistes, ils le font déjà ça. Simplement, ce n'est pas formalisé, c'est un travail qui n'est
n'est pas reconnu et qui donc n'est pas rémunéré. Donc ça veut dire qu'un tiers du temps de travail des médecins généralistes aujourd'hui est un travail bénévole. Et ben moi je dis, il faut que ces médecins généralistes soient reconnus pour le travail qu'ils font et que le travail ne soit plus bénévole mais soit rémunéré, avec bien entendu toujours l'objectif du service rendu à la population. Alors pour avancer, qui doit faire quoi alors? Est-ce que c'est la ministre? Est-ce que c'est l'assurance maladie? Est-ce que c'est les régions? Quel levier? Parce que on a l'impression qu'on c'est un peu bloqué. Alors il y a un nouveau gouvernement pour 5 ans en principe, donc il a le temps de mettre ça en place ou pas? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors c'est pas, je sais pas, je suis pas ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire que moi je fais des propositions qui sont qu'on peut mettre en œuvre avec des délais qui sont à quelques mois, quelques années, etc. Donc il y a trois acteurs principaux. Il y a l'assurance maladie qui est chargée de gérer le risque maladie. Il y a bien entendu le gouvernement et le ministre de la Santé. Et il y a les acteurs de terrain. Et vous remarquerez que je ne parle pas immédiatement des syndicats. Je dis les syndicats sont là au service du terrain, pour permettre au terrain de s'organiser. Je crois beaucoup plus à l'initiative du terrain, et on a montré que l'initiative du terrain marchait bien en France, en tout cas chez les médecins généralistes, les maisons médicales de garde, les maisons pluridisciplinaires de santé. On voit bien que dans cette affaire-là... C'est embryonnaire tout ça. Puis c'est pas embryonnaire. Et puis c'est transitoire. Ce n'est ni embryonnaire ni transitoire. On arrive pratiquement à 1000 projets ou réalisations mais de maisons de santé. Que ça fait les maisons de santé, c'est 2% de l'offre de soins. Bien entendu, mais c'est très modélisant. Les pôles de santé, ça sera beaucoup plus important parce que les pôles de santé ne nécessitent pas la construction de murs. Ce sont des relations fonctionnelles entre les professionnels. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la formalisation. Il faut vraiment que les professionnels de santé libéraux comprennent que pour devenir visibles et pour être bien utilisés par la population et par les pouvoirs publics, ils doivent se formaliser, savoir quel est leur numéro de téléphone, non pas de chaque individu, mais de la structure, de façon à ce que quelqu'un qui sort de l'hôpital soit accueilli chez lui, non pas par un professionnel, mais par une équipe qui va s'occuper de lui. Et les médecins libéraux, qui sont justement libéraux, est-ce que, dernière question, est-ce qu'ils accepteront cette structuration? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une résistance? On dit que les médecins sont conservateurs, qu'ils ne veulent pas trop que ça change. Tout le monde est conservateur, on sait ce qu'on a et on ne sait jamais ce qu'on aura si jamais on change. Bon, donc c'est une réaction logique. Les médecins, je disais tout à l'heure, sont prêts parce qu'ils le font déjà. Et les jeunes médecins nous disent très clairement, soit c'est de l'organisation de travail en équipe, soit on ne s'installe pas. Donc aujourd'hui, vous avez 13% des jeunes médecins qui s'installent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, rien n'incite à aller vers ça. Si les pouvoirs publics, et notamment la ministre de la Santé, nous dit très clairement ce qu'elle a dit au Congrès de Nice et ce qu'elle a encore dit ce matin aux entretiens de Bichat, je veux aller vers ce mode d'organisation, si c'est compréhensible, les médecins libéraux qui sont des gens plutôt, je dirais, innovants et plutôt prêts à s'investir lorsqu'ils comprennent où est-ce qu'ils veulent aller, les médecins libéraux le feront. Mais aujourd'hui, les médecins généralistes en ont assez, ils en ont même marre de voir qu'on leur demande et qu'on leur empile sans arrêt des systèmes auxquels ils ne comprennent rien, et à côté, on installe d'autres systèmes qui sont concurrentiels. La prévention, c'est le boulot du médecin généraliste. Et qui ne fait pas. S'il le fait, et heureusement qu'il le fait. Le médecin généraliste organise beaucoup de la prévention. Ouais. Tous les enfants qui sont vaccinés, l'essentiel. On sait qu'il pourrait faire plus. Il fait beaucoup, mais simplement les gens ne le savent pas. D'accord. Quand on regarde l'essentiel des soins, l'essentiel de la prévention sont faits en médecine générale. Simplement aujourd'hui, il faut que ce soit reconnu et qu'on nous donne les moyens de l'organiser de façon, j'allais dire, plus industrielle. Merci Claude Léchère. À très bientôt dans le cadre du think tank, on va pouvoir dérouler et réfléchir pour justement qu'on avance très concrètement. Merci.